Alors nous sommes le samedi 2 novembre 2019, nous sommes de retour à la Seyne-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, Christophe Bernabé, président du club maquettiste de Dinan. Dinan en Bretagne. Tout à fait, une belle région de France qui est très chère pour nous et avec lequel on adore. Et puis la Bretagne et le monde maritime et, où on fait beaucoup, énormément de maquettes de bateaux. Oui, et puis sans compter tout le patrimoine maritime que vous avez. J'ai interviewé par téléphone la station SNSM de Bénodet, puisqu'on avait eu une interaction, encore une fois, avec les Varois lors de l'inauguration de la grande vedette de Bandol. Ils étaient très contents d'ailleurs qu'on parle d'eux. Donc j'imagine que vous allez être très contents qu'on parle de vous parce que vous venez dans le Var et que bien évidemment, avant, vous avez reçu les Argonautes. Mais avant, on va parler de Dinan, c'est tout à fait normal. D'autant plus que je connais un petit peu la région. Oui, Dinan, c'est une ville médiévale hein, du 14e siècle hein, où, qui a un riche passé puisque nous faisons des tournois de chevalerie tous les 2 ans. Après, la municipalité aime bien le monde du modèle réduit puisqu'il nous donne un coup de main pour venir justement aujourd'hui dans le Var. D'ailleurs, nous allons remettre au maire de la Seyne-sur-Mer un présent du maire de Dinan et un courrier qu'il lui a fait avec des produits régionaux qu'on a amenés pour l'apéritif de ce midi pour faire goûter aux Varois les spécialités de Bretagne. C'est ça justement que je veux mettre en avant. Je vous l'ai dit d'ailleurs avant de commencer, c'est l'interaction qu'il y a entre les gens de l'extérieur qui viennent dans le Var et bien évidemment les gens du Var qui vont chez vous. Vous êtes chez vous, comment ça se passe? Comment vous recevez les Varois? Eh bien, les Varois pourraient vous expliquer ça mieux que nous, puisque quand ils sont arrivés le vendredi soir de notre salon l'année dernière, ils ont d'abord été reçus par un plateau de fruits de mer, hein, puisqu'on leur a concocté 6 douzaines d'huîtres avec du vin blanc nantais et du citron, donc ils ont apprécié les spécialités des huîtres de Cancale, bien sûr. Hein, Oui, bien sûr. Je connais un petit peu aussi, je connais la région. Hein. Donc des huîtres de Cancale, ils ont super bien apprécié, ils ont apprécié notre accueil, puisque nous, le club de Dinan, on met beaucoup un bémol sur l'accueil de nos exposants. Nous faisons un salon en plus national, c'est-à-dire qu'on reçoit des gens de toute la France, du Var, d'Alsace, du centre, des Bordelais. Donc à chaque fois, c'est une rencontre de passionnés et la vie est belle, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au sein de ces salons, il y a des relations transversales qui se créent entre organisateurs qui deviennent cette fois-ci exposants, cette double casquette. Moi, c'est ça que je mets en avant aussi. Tout à fait, la double casquette. Nous sommes organisateurs de salons tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. On fait notre salon tous les 2 ans au mois de septembre. Là, cette année d'ailleurs, on a contacté des gens d'ici, des gens de Bordeaux, qui viendront l'année prochaine certainement à notre salon. Oui, j'ai vu. Voilà. La Seyne-sur-Mer va certainement être présente aussi. Le club de Mandelieu présent aussi. D'autres clubs vont venir. Nous allons recevoir aussi des Belges hein, de Charleroi qui vont amener des maquettes de bateaux à vapeur. Vraiment l'originalité d'un salon qui a un caractère national surtout. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre salon? De tout. C'est-à-dire que ça va de la figurine à l'hélicoptère radiocommandé, au bateau, au train, bien sûr, mais tout ce qui concerne le monde de la maquette et du modèle réduit. Statique ou navigant? Ou les deux? Les deux, complètement les deux, puisque nous avons des bassins de navigation, nous avons des aires pour les hélicoptères. Ça fait un peu plus de 10 ans que nous organisons des salons, donc on est rodé et on sait qu'est-ce qu'il faut pour que ça amuse le public. Alors maintenant, vous êtes dans le Var, vous êtes arrivé ici. Autant vous dire que c'est pas un petit trajet, il y a du chemin pour venir ici. Hein. Tout à fait, 1250 km pour venir voir nos amis de la Seyne-sur-Mer. Qui vous ont accueillis comment? Alors ça, j'attends la réponse. Qui nous ont très bien accueillis, nous, on les a accueillis de la même façon, donc c'est un peu le retour. Ce qui nous perturbe un petit peu aujourd'hui, nous, c'est le soleil. Ce qui nous perturbe un peu aujourd'hui, c'est le soleil. On est en t-shirt dehors en 1er novembre, il pleut énormément depuis plusieurs jours en Bretagne. Parenthèse intéressante, oui. Ouais, voilà, non mais... avoir 20 degrés ici, c'est exceptionnel pour nous, quoi. L'été, là-bas, je connais la réponse, hein, mais en Bretagne, il fait combien l'été? Ça dépend, on a eu un très bel été cette année, on est monté à plus de 30 degrés. Bon, alors évidemment, la Manche, où on se baigne, est en plein été à entre 18 et 19 degrés. Donc, oui, je connais. Voilà, si vous voulez venir vous baigner... Je connais plus d'Almézo, ouais. Voilà, donc faut prévoir au moins le combi short, parce qu'autrement, vous ne rentrez pas dans l'eau, quoi. D'accord, et alors maintenant, là, vous découvrez le salon des Argonautes, hein, le salon de la Seyne-sur-Mer. Là aussi, c'est tous les 2 ans. On est donc ici au complexe sportif Paul Langevin, je le précise, pour les gens qui nous écoutent. Vous êtes maintenant ici à la Seyne. Comment vous trouvez le salon déjà? Le salon, très bien. De très belles choses, de très beaux exposants. Nous, on a eu la chance de rencontrer le club de la Seyne-sur-Mer à Perpignan il y a 2 ans. C'était qui à Perpignan qui organisait? C'était le club de Saint-Estèphe, je crois. Normal qu'on parle d'eux. Voilà, non, normal qu'on parle d'eux. Après, le contact est super bien passé avec les copains de la Seyne-sur-Mer. Évidemment, en Bretagne, nous avons... Oui, vous avez du numéro quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'équipe, mais je la connais, l'équipe. Hein. L'équipe, c'est une bonne équipe, mais bon, l'apéritif a duré un certain nombre d'heures.
le digestif a duré une partie de la nuit et évidemment tout fait que l'osmose est passée et puis il n'y a pas de problème. Et puis on reviendra avec plaisir ici, bien sûr. Les relations justement entre personnes vous avez tous la même passion, c'est pas nécessairement une question d'organisation, c'est aussi le fait que vous êtes dans votre domaine avec des connaissances identiques, avec des maquettes qui sont différentes les unes des autres. Comment ça se passe, cette relation, disons, de passionné? Disons qu'on peut avoir la même passion et pas forcément être en phase. Et se compléter. Voilà, et se compléter. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la Seyne-sur-Mer, c'est qu'on est rentré en osmose rapidement et on a senti une amitié qui commençait à se créer. Et là, on a dit, ok, banco, on y va. Et ce qu'ils font en matière de bateaux? Ce qu'ils font, c'est original. C'est des bateaux de la Méditerranée que nous, on ne connaît pas en Bretagne. Nous, on venait plus sur des bateaux de travail et des chalutiers de côte. Les pointus qu'ils nous ont montrés, ce sont des bateaux qu'on ne connaissait pas. On a appris à les découvrir et puis c'est un monde maritime, mais différent du nôtre. Justement, il va y avoir Brest bientôt, on peut en parler, parce que c'est qu'on parle aussi des manifestations de chez vous et de ce patrimoine maritime, comme vous le dites, qui est un petit peu différent d'ici. Une petite parenthèse sur Brest, bientôt. Brest... Ça vous concerne ou pas, justement? Non. Alors, non, ça ne nous concerne pas. Brest, c'est plus un rassemblement de grands voiliers. Vous, c'est les maquettes? Pas forcément, puisque en ce moment, au Club de Dinan, on travaille sur Banque Populaire 8. C'est une commande de la Banque Populaire Grand Ouest qui nous ont demandé de réaliser une... Est-ce que la réalité, ça vous inspire, justement, au niveau des maquettes? Eh oui, parce que là, je vous dis, Banque Populaire 8, on est parti du bateau avec lequel Armel Lecléache a gagné le Vendée Globe, et on refait la copie au 1/18 pour une banque, et un autre bateau au 1/10. Donc, au 1/10, ça fait un bateau de 3,40 mètres d'eau. Donc c'est, et sur des plans qu'on a récupérés au chantier où il a été construit. Dernière chose, parce que je vous ai demandé de venir alors que vous étiez en plein exercice, c'est un petit peu ça, que je suis venu vous voir alors que vous étiez en navigation, puisque justement, ici, il y a le bassin, donc vous naviguez avec un grand voilier. Je parle de la taille en modèle. Comment ça se passe ici, la navigation? La navigation en voilier, le bassin est pour nous limite, limite petit. Il faut d'habitude, on navigue en étang. Ce sont des maquettes, il y en avait deux dans l'eau. Il y avait une maquette qui faisait 2,60 m de l'eau et un autre qui faisait 3,40 m. Toutes voies de sortie, vous les avez vues. L'évolution avec des ventilateurs, ça change. Les ventilateurs, c'est régulier. Le vent, c'est complètement différent. Donc après, on s'adapte. Complément, suite à ce que vous me dites, la surface de votre plan navigable chez vous, c'est quoi? Alors nous, c'est 150 mètres carrés de bassin. On ne fait évoluer que des bateaux à moteur. Donc les voiliers, c'est plus compliqué parce que le vent, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et puis bon, il y a des spectateurs, il faut faire attention à ce qu'on fait.